On est back! 29e épisode, les gars! Ouh là 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 là! Bah dis-donc, ce jeu, il commence à m'avoir remué dans tous les sens. J'ai pas arrêté de me faire des films, en tout cas. Du coup, bon, je pensais que dans l'épisode précédent, on allait finir le jeu, clairement, parce que, voilà, on trouve Abby. Et elle allait nous flinguer ou pas, je sais pas. Enfin, c'était une sensation bizarre, j'étais là, putain, c'est la fin du jeu, sérieux? Ça se termine comme ça? J'étais là, mais non! Puis après, ça continue, ça continue, ça continue. Et là, on joue Abby. Et c'est la guerre contre les Scars. En fait, c'est des grands fanatiques, c'est des barjots, cette équipe. Voilà. Mais alors là, pour l'instant, ouais, je suis en train de me dire que non, c'est pas du tout équitable, quoi. Que Joël et Ellie... voilà, ils n'ont rien trop fait de méchant comparé aux Scars et aux Wolf. Et Abby, elle mérite de mourir, quoi. Oh là là. Bon, allez, c'est parti. Apparemment, c'est chaud, là. C'est la guerre. Allez, let's go. Essayer de m'appliquer un peu si j'y arrive. Ah, on a un chien. Allez, on va sécuriser la zone. C'est reparti, on allume la lampe torche, d'accord. Donc on joue le perso, le méchant, quoi. Une bien musclée. Kentucky. Et on collectionne des pièces, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un flingue et ça, c'est quoi? C'est un fusil, mais il a une grande cadence de tir. Trousse de secours, ça, je sais pas ce que c'est. On va jeter un œil au sac. Ah, tuyau explosif. Rebondit à l'impact et explose après un bref délai. Confectionne deux bombes. D'accord, d'accord. Oh. Et on va pouvoir... Oh là 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 là. On n'est pas encore au bout du jeu. Je pense qu'il va y avoir plus de 30 épisodes. Truc de dingo, hein. Hé, Abby. Il y a assez de matos pour fabriquer un tuyau explosif. Compris. Ouais, merci. On aurait peut-être mieux fait de rester dehors. Non. Ça va aller. Bah quoi, je peux pas construire. Ah, l'alcool. Et ça nous en fait deux. D'accord. Ça va péter, hein. Ok, ben maintenant on va vivre toute l'aventure de Abby. C'est reparti, on casse des vitres. Qu'elle est désinfectée? Apparemment, hein. Oh, les boulons. Non, mais c'est vraiment sérieux. Hein. On va vraiment jouer longtemps, là. Apparemment. Il y a plein d'endroits où se planquer là-dedans. Il n'y en a qu'un. Vas-y, Rex. Attaque. On voit rien.
Et où? Il y en a deux. Il est en transe. On va le choper en douce là. Et voilà le travail. Oh, magnifique. Allez, viens Rex. Ah non, il y en a encore. C'est quoi cette salle bizarre là? Ok. Donc on est trois et on a un chien. Magnifique. Il y a encore un infecté là-bas. Oh, il est en transe. Tranquille. Eux, ils sont gentils. Hein. Bon, après, je sais pas si on fait du bruit, s'ils se réveillent. Mais je pense, hein, que si on fait vraiment de bruit, ils nous courent après. C'est bon? C'est vachement mieux que de picoler en regardant la télé. Hein? Non, rien. Que de picoler en regardant la télé, sérieux? Vachement mieux que de picoler. Elle a piqué ma brique! Ah, le bon vieux L3. On voit de la lumière. C'est peut-être une sortie. Je vais monter pour voir ce que c'est. Genre, tu peux escalader là-haut, toi. Oh, il faut faire tout le tour. Passer tout là-haut, 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 là-haut. Oui. Je veux monter. Aidez-moi. Comment il s'appelle le chien? Il y avait quoi? Il y avait un truc là, j'ai... Non mais c'est la lumière. On est chez Hornbar. Hornbar, en avant les histoires. Ouais, je vois bien l'échelle sur la gauche là. Ah non mais c'est par là. Quel con. Merci. C'est un peu... On se croirait dans Zelda là. C'est parti. C'est parti. Les stimulants vous permettent d'apprendre de nouvelles compétences. Ouais, 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 je sais tout ça. Je n'ai rien oublié de mon passé. Alors, regardons voir ce qu'on peut améliorer. Santé améliorée.
30 pilules, bah oui, on va faire. Hein. Et après le prochain, c'est quoi? Mode écoute n'était. Ouais, c'est exactement comme avec. Comme avec Ellie. Et voilà. Allez, je vous admire là. C'est un puant lui. Oh. Merde. C'est fini? Ouais. J'ai le droit de dire que c'est une planque de merde? Ouais. C'est une planque de merde. On y va. Ok, bon. Putain, le chien, il est vraiment pratique. Par contre, il me faut des mules. Moi, j'ai continué de tirer, là, comme un fou. Et j'avais plus de mules. Moi, je pensais être tranquille, avoir fini le jeu, mais non, 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 non. C'est loin d'être fini, hein. Encore plein de stress. Je vais peut-être plus utiliser aussi un tube explosif. Mais je crois que je me suis pas fait beaucoup toucher. Hein. Je crois que ça va. Par contre, mes amis, ils ont bien flingué là. Ils m'ont beaucoup aidé. Donc, pistolet, on a plus de mune. Ok, est-ce qu'on peut crafter des choses? Non. Par contre, plein d'armes de mêlée partout. Hein. Avec Ellie, on en avait jamais. Enfin, rarement, quoi. C'est moi qui loupais beaucoup de choses. Comment on sort d'ici? Les gars, j'ai trouvé un passage. Yeah. Manu. Je suis là. Honneur aux dames. Dans un mois, je passerai plus du tout. Vas-y, Abby. Bah, t'as dit honneur aux dames. Tu me payes bien, toi. Ok. Abby, ça me rappelle la serre de ton père. Je vois pas pourquoi. Les plantes sont pas crevées ici. C'est pas faux. Vous savez quoi? C'est peut-être une bonne chose. Vous aviez besoin de ça pour vous rapprocher. La ferme, Manny. Vous voyez, ça marche. Nous sommes dans une serre.
Garden Center. Ouais, on est vraiment chez Hornbar. Truc de fou. T'en as trouvé une autre ? Massachusetts. Eh, hey, si tu sais pas quoi en faire, je connais un super jeu de picole avec des pièces. Peut-être plus tard. Un jeu de picole. Bon. Ils sont généreux ici. Encore plein d'explosifs ici. Et plein de boulons, ok. Yes. Dégage Rex, tu me gênes. Alors, on a un peu tout pris. Je crois. C'est immense. Ah, je veux du 60 FPS, moi. On doit aller par là-haut ? Oui. Je veux juste voir si je peux crafter des trucs. Ah non, je peux pas. La base est droit devant. Pas de scar en vue. Ils sont là. Ouais. Allez, on continue. Bon sang. Vous vous souvenez quand on pouvait passer par là sans se faire attaquer par les scars ? Une vitre. Oh ouais. Non. Oh là là, elle a rouillé de l'intérieur celle-là. Pas fiable du tout. C'est quoi ? Une Ranger. Une Ford Explorer. Bon, j'arrête. Plus qu'une. Ah non ! Surveillez bien les environs. C'est vachement trop calme. Je préfère quand c'est un tout petit peu plus moins calme. On devrait être de l'autre côté de la clôture. On coupe par l'intérieur ? Ouais, ça nous a vachement réussi la dernière fois. T'as autre chose à proposer, Manny ? Non, je suis juste énervé. Merde ! Y a quelque chose qui bloque la porte. Peut-être qu'il y a une autre entrée. Ouais, comme d'hab, quoi. Une entrée en cache une autre. Vas-y, grimpe. Oh. Ah, c'est une vraie commando. J'y vais. Câble est coincé, on dirait. Ouais, et... C'est bon. Vas-y, grimpe. Mel, reste avec Alice. Je vais essayer d'ouvrir cette porte. Histoire de vous faire entrer. Cool. Fais attention. Je
Yeah. Oh, la fameuse cheminée des girafes. Toujours pas de Scar en vue. Ils ont peut-être laissé tomber. Tu te crois drôle? Non. Juste optimiste. Putain. C'est vachement haut. Ouais, c'est clair. C'est parti. Oh là! Ok, Mel. C'est bon. Je suis à la porte. Vas-y, Rambo. Ouais. Oh! Par ici. J'arrive, attendez-moi les gars. Il y a plein de trucs ici. Oh. Regardez ça. Ça, c'est ce que j'appelle un entrepôt. Faudra qu'on revienne dans le coin. Un commandement d'une femme française de pièces détachées. Un bien grand entrepôt. C'est immense. Waouh. On peut monter les escaliers. On fait quoi? On va d'abord en haut. Oh, je sais jamais où aller en premier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de trucs. Non, on va d'abord faire le bas. Hein. Un établi? Un établi. On va revenir, mais attendez. Lunettes 4 fois. Est-ce qu'on fait Mon père m'emmenait à la pêche sur un bateau comme celui-là. J'avais systématiquement le mal de mer. Je vais tester ça. Stabilité 50 boulons. Merci du conseil. Lunettes 4 fois. La lunette, ça peut être pas mal, hein. Mais c'est 8 ans de boulons. Putain, c'est cher. Oh. Non, on va faire le pistolet d'abord. Alors, on va bien évidemment améliorer la stabilité. Et je crois que c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Ah non, je pourrais améliorer le recul aussi. Ça peut être pas mal d'améliorer le recul, franchement. Parce que quand on tire plusieurs coups d'affilée, ouais, allez, on fait. 25% de précision et 35% de recul. On va devenir un tireur d'élite, là. Et je suis sûr qu'il y a encore plein de boulons dans le coin. On explore d'abord le bas. De toute façon, la sortie est par là, je pense. D'accord. Ok, et ici? Non, ça on ne peut pas ouvrir. On va monter. Hein. Et sous l'escalier. Non, il n'y a que du chenille. Dans l'armoire, il n'y a rien? Non, il n'y a rien. Ça, c'est bon.
Ici, il y a quoi là-dedans? Un parasol? Un parasol! C'est verrouillé, sérieux? Non. Je suis sûr qu'il y a moyen d'y rentrer. Par le haut? Peut-être plus tard alors. Peut-être plus tard, c'est bizarre. Parce qu'ici on voit que dalle. Ok, ok, ok. Bon, on va aller ouvrir la porte. Je suis encore tout chamboulé moi parce que. je pensais vraiment que c'est la fin du jeu. Tu vois une issue? T'en penses quoi? J'en pense. Ok. Il faut ouvrir. Oh là là. Allez-y, je tiens. Je la bloque. Je suis désolé. Est-ce que ça va? Ouais. La poignée a lâché. On fait quoi du coup? Abby, regarde. Une lucarne. Manny, bouge pas! On va trouver un moyen de grimper sur le toit! Ok. Alors, t'es contente de faire partie du voyage? Si on veut. Fais-moi penser à remercier Manny. Je suis contente d'être avec vous. Je m'en serais voulu de pas avoir été là pour vous aider. Dis, pourquoi tu m'évites? Je t'évite pas. Arrête, tu m'as à peine parlé depuis ce qui s'est passé à Jackson. Je sais pas. Je crois juste que Jackson m'a fichu un coup. Tu penses que Joël méritait pas ça? Je pense qu'il méritait pire, mais j'aurais préféré ne pas y être mêlée. Je vois. Faut être cinglé pour faire ça, hein? C'est pas ce que j'ai dit. Bon, faut qu'on atteigne la lucarne. D'accord. Il méritait pire, sérieux? Aide-moi à monter. J'ai une idée. Je t'écoute. Et ton médecin là, de papa, je l'ai tué direct. Il a pas souffert. Il s'apprêtait à tuer une petite gamine, quoi. C'est quoi ton plan? Une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Je nous sors de là. Ben grouille. Okay, mais... Vas-y doucement. L'avantage d'être enceinte? C'est que j'ai le centre de gravité plus bas que la normale. Je te crois sur parole. Oh, j'ai réussi. T'es la meilleure. Ah, et elle nous ouvre la porte. Ok. Vas-y, grimpe. Merci. On est un peu rapproché. Oh, le retour des bonnes vieilles échelles. Donc on va prendre l'échelle, d'accord. Et on va la foutre pour aller sur le bateau. Ok. Je pense. Hein. Ça m'avait manqué. Je crois bien que c'est la première énigme qu'on a à faire avec échelle. Allez, dégage! Ah, ces femmes enceintes insupportables. Hey, honneur à moi! Amène-toi, la grosse. Ce bateau me rappelle un peu celui d'Owen. C'est bien. Il essaie encore de le réparer? Ouais. D'après lui, c'est juste l'histoire de quelques jours. De quelques jours. Mais chacun son obsession. Comme moi et les jouets pour chiens. Ouais. Ou moi et mes pièces à la con. Moi et les pièces à la con. Y'a rien dans le bateau, sérieux? Okay. Pourquoi pas? Si. Oula, plein de... d'armes. Oh, cool.
David versus Goliath. Les manuels d'entraînement vous donnent accès à de nouvelles branches d'amélioration. David contre Goliath. Historique détaillé des mouvements de guérilla. Prof Anna Orlov. Ouais. Opération secrète. Confection de surins. Confectionne. Ah, le retour des surins aussi. Confectionnez deux surins permettant d'éliminer furtivement la plupart des ennemis. Ils peuvent également vous servir à vous dégager de l'emprise d'un claqueur. Très bien, magnifique. Bien beau bateau. Ouh, j'en avais bien besoin de ça. Mon énergie avait bien descendu. Hein. Allez, c'est parti. Non, mais c'était pas ici que je devais mettre l'échelle. Complètement con, lui. Allez, reprends là. Alors, elle est où cette lucarne? Ah, c'est là-bas. Non, mais c'est sérieusement là-bas? Ouais, parce qu'ailleurs, on me le propose pas. Ouais, d'accord. Et maintenant, on a une corde là. Une corde où? Lancer. Ah. On doit lancer la corde. Qui est où? Ah! Et il y a le sens de l'équilibre, quoi. Si on va tomber, la manette vibre et on doit corriger le penchement. Oh, cool. Ah, c'est vachement cool, hein. C'est cool, mais ça sert à rien, absolument à rien. Ouais, c'est pour monter. Ah. Oui, 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 d'accord, d'accord, d'accord. Oh, c'est vachement haut. Ton vertige te joue des tours? Oh, surtout quand je regarde en bas. Mais non. Alors, là, le vertige? Non! Je voulais essayer. Je voulais voir où était la limite. Ne m'en voulez pas. En plus, torturer Abby, ça fait du bien. Les voilà. Manny, on arrive. Ok. Regarde, notre base adorée. On y est presque. On doit pouvoir couper par la gare. Tu veux pas descendre du toit d'abord? Ouais. J'ai du mal à imaginer que tu puisses avoir peur de quoi que ce soit. Je suis pas aussi dure que tu le penses. Arrête. Genre, je pourrais pas opérer les gens comme tu le fais. J'aurais trop la trouille de faire des conneries. Parce que tu crois que j'ai pas la trouille, moi? Ça vaut ce que ça vaut, mais mon père te considérait comme sa meilleure élève. C'est vrai? En même temps, t'as toujours dit que c'était un imbécile. Viens. Alice, c'est bien ma fille. Oh. Il était temps que vous vous reparliez. C'est tranquille ici? Ouais, ça me plaît pas. Bon, on est presque à la base.
Donc elle, c'est une chirurgienne. Rentrer, je vais me trouver un canapé, mater un film et picoler jusqu'à plus soif. Ah ouais? Picoler quoi? Oh, quel film? Bonne question. Le film, c'est celui... comment ça s'appelle, avec la fille qui chevauche un loup. Oh, j'adore ce film. Et pour la picole, il me reste du mezcal de la semaine dernière. Une minute, je croyais que c'était notre mezcal. Si. T'inquiète, je t'en laisserai. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour un remontant? Enfin, si j'étais pas en cloque... Ni en train de fuir. J'ai pas accès aux armes. Ah si. Ah c'est parce qu'on parlait. Ça c'est quoi le mezcal? J'ai jamais entendu parler de ça. Un chiffon. Le retour des coffres? Ah non. J'ai cru qu'il y avait un coffre ici. Appuyer hein, pour étudier, ouais. Je m'en fous un petit peu de ces médaillons, quoi. C'est... Ok, intéressant. Martha, maintenant que la trêve est finie, c'est trop risqué de se voir ici. La zone va grouiller de Scar. J'ai déjà remballé toutes mes affaires, mais j'ai laissé tes armes en sécurité ici, au cas où tu en aurais besoin en arrivant. Je me suis dit que les Scars n'y toucheraient pas, vu que le coffre était très ancienne mode. Ancien monde. Bande de tarés. A bientôt et sois prudente. Paul, PS, le code est toujours le numéro du gagnant. Oh non! Encore des énigmes au coffre, là? Je suis foutu. Le numéro du gagnant. Le numéro du gagnant. Ah! Du scotch ici. Ça donne quoi? Il pourrait y avoir une planque d'armes dans le coin. Ah, ça me plaît. Ouais, moi, moins. Mais j'ai besoin d'armes. Shipping. Et. Receiving. Alors, encore du scotch ici. Ok, nickel. Non, on ne peut pas monter là-dessus. Ça m'embêterait de passer à côté d'un coffre. Bon, en même temps, ça devrait pas être très loin. Hein. C'est bizarre qu'on puisse pas rentrer là-dedans. Il y a derrière. Encore un bateau. Plein de bateaux dans le coin. Ah mais c'est un garage pour réparer les bateaux en fait. L'entrepôt. De l'alcool. Bon. Bizarre, hein? C'est peut-être plus loin par là-bas. Vas-y. Tu peux le faire. Donc, il est ici, le coffre. 6 chiffres, comme d'hab. Le numéro du gagnant. Mais le numéro... Le numéro du gagnant, quoi? Ça, c'est la merde. Hein. Oh, une bonne clé anglaise. Ça, c'est top. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte ici? Oui. Je dois avoir loupé quelque chose là-dedans, je pense.
le numéro du gagnant. Ah ah! On peut pas lire? J'arrive pas bien à voir, hein, franchement. 17. 36. Putain, j'aurais dû acheter la lunette. 17. 36 ou 38. 17, 38, 07. Je crois que c'est ça, hein. 17, 38, 07. 17, 38, 07. Ou alors c'était 36, hein. Oh, yeah. C'est parti. C'est pas beau tout ça. Un bien beau flingue. Pistolet de chasse. Ok. Et là c'est pas mal parce qu'en fait on ne pouvait pas lire. Comment dire? On ne pouvait pas appuyer sur un bouton pour lire la description sur le mur. C'est vraiment nous qu'on devait lire les chiffres. Donc si j'avais fait le con, comme d'hab, à flinguer là où je dois lire, j'aurais pas pu ouvrir le coffre. Hein. Bon, j'aurais pu tester. Peut-être j'aurais caché qu'un chiffre. Mais c'est pas mal. Alors ça, je trouve mieux. Voilà. On doit chercher comme ça. Plutôt que d'avoir un symbole chinois, asiatique, japonais qui nous indique qu'on peut lire. Ah, franchement, pas mal. Et je suis content, il pleut pas. Par contre, je suis en train de regarder là. On arrive à 42 minutes. Alors oui, on va continuer un petit bout. Et on va bientôt s'arrêter là pour cet épisode. Hein. C'est incroyable, il a pas de fin ce jeu. Il a pas de fin. Après, en nombre d'heures, je sais pas, comparé au premier, s'il est plus long ou plus court. Après, c'est peut-être juste à cause des sensations. Parce que je fais des épisodes d'environ 45 minutes et que je pensais être à la fin du jeu. Okay. On va suivre les rails. Ils nous ramèneront sur la route qui conduit à la base. J'aime pas ça. Je sais. Restez sur vos gardes. Il y a un moyen de franchir le mur ? Aïe ! J'en ai pas l'impression. Quoi ? Silence. En voilà d'autres qui arrivent. On a qu'une mune dans ce chargeur. Merde. Vite, allez à sec. Farah.
Il est nul ce flingue de chasse. Merde. Tu vois qui? Voilà le travail. C'était pas top, hein. Faut que je me remette dans le bain un peu. Pas l'habitude de Abby. Bon, ici on a déjà tout exploré, je crois. Oh, une hache. Ça, c'est bon, ça. On est pas mal là. L'autre il nous donne pas de mun. Non. Il y en a encore plein. Hein. Ces enfoirés de fanatiques. Et qui montent sur le wagon. Dégage!
mieux de courir. Putain de merde. C'est fini? J'en vois pas d'autres. Allez, entraîne pas. Suivez-moi. On y va. Donnez-moi des munes. On s'en est pas trop mal tiré là. Bon, il faut explorer un peu la zone parce qu'il faut que je me refasse le plein de munes. Petit check de voir où on en est. Ouais, 51 minutes. Il est temps de se séparer. Voilà. Comme d'hab, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si par hasard, il y en a parmi vous qui ont suivi tous les let's play de Last of Us et de Last of Us 2, je serais curieux de savoir ce que vous avez ressenti un peu en faisant ces jeux. Enfin, moi, dans le 1, j'étais très clair à la fin, tout ça. Là, le 2, je suis un peu... je m'interroge encore beaucoup pour l'instant. Niveau du jeu, c'est clair que j'aime parce que ça... C'est comme le 1, mais en mieux. Donc, je ne peux que aimer. Après, au niveau de l'histoire, ben... Mystère. Encore à voir, hein. Allez, gros bec. N'oubliez pas de rejoindre mon Discord ou ma chaîne Twitch. Ça serait sympa. À tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.